Si le Français Thomas Voeckler est depuis une semaine en tête du Tour de France, c'est peut-être grâce au confort de ses chaussettes, des chaussettes au bois fabriquées à Romilly-sur-Seine dans les ateliers de Ventura Sox. Ici, on garde du coup un œil sur la course et sur le produit porté par le maillot jaune et son équipe Europcar. On a vraiment élaboré un produit qui leur convient parfaitement. Il est léger, il est résistant et ça fait même causer dans le peloton. Ouais, ça fait plaisir. Ils ont le bon produit adéquat pour pratiquer leur sport. Bon, ça a été élaboré avec des professionnels. Donc voilà, quoi. Ils ont eu les chaussettes qu'ils attendaient pour faire leur sport. J'ai eu la chance que Thomas me dise « tes chaussettes sont extraordinaires ». Donc voilà, quelque part, ça fait plaisir. Les chaussettes de l'équipe du maillot jaune ont été fabriquées sur ces machines en début d'année pour cette entreprise créée en décembre par des ex-employés d'Olympia. Le contrat Europcar, c'est le premier gros coup. Tout compris, hein, sponsoring et vente en magasin, on doit être à pas loin de 1800, 1900 paires déjà. Et c'est pas fini parce que ça n'arrête pas. Le maillot jaune et la médiatisation qui va avec permettent à la jeune entreprise de soigner sa notoriété. Ventura Sox veut se développer notamment auprès des clubs de sport. Elle compte sur Thomas Voeckler pour soigner sa communication, même s'il a fallu s'adapter avec les excellents résultats de l'Alsacien. Disons qu'aujourd'hui on a un peu de retour, hein, forcément un peu de retour. Bon, et je pense que c'est que le début. On a un peu de retour par rapport à nos chaussettes qui, justement, elles sont en première ligne sur le Tour de France. On a fait même des chaussettes jaunes en catastrophe parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Lundi dernier, on a fait des chaussettes en catastrophe il y a 8 jours, quoi, pour faire des chaussettes jaunes pour aller avec le maillot. Et donc, effectivement, on a des magasins aujourd'hui qui reviennent par rapport à la notoriété d'Europcar. Reste une semaine de course. Chez Ventura Sox, on attend désormais qu'une seule chose, que le maillot et surtout les chaussettes de Thomas Voeckler restent en jaune jusque sur les Champs-Élysées pour l'arrivée du Tour de France.